la mitomo. Yahweh, Yahweh, bemi saniko. Salutations spéciales à toutes et à tous, messieurs et dames, c'est l'heure des infos. Quelques temps après la fin des travaux paritaires, bon syndical des enseignants et gouvernement tenu à Bibois dans la ville province de Kinshasa, Simon Tsiloulou, participant à ces travaux et porte-parole de la synergie des enseignants du Congo central, a fixé l'opinion publique sur les aboutissants de cet atelier. Il est au micro de Fallon King. Assises ont eu lieu pendant 15 jours. On a résisté, nous sommes partis avec la réclamation de 500 dollars. Et surtout qu'il y a maintenant la réforme qui ajoute des travaux aux enseignants. Donc ce n'est plus facile d'être un enseignant avec quand on fait des réformes assurance qualité. Il faudra mettre les créateurs de la qualité dans des conditions à créer la qualité. On a estimé nécessaire que 1 500 000, qui équivalent presque à 500 dollars, pouvaient compenser toutes ces difficultés. Il y a eu banque syndicale et banque gouvernementale, 150, 150, on a fait 300. Nous avons tenu à obtenir gain de cause. C'est vrai que le gouvernement a présenté les difficultés. Donc le budget n'était pas capable de nous donner cette somme d'argent, même pas à la moitié. Donc nous étions butés par un problème, des gens qui négociaient avec nous, on n'a pas compris. Arrivé à la dernière minute, le gouvernement de la République a proposé un montant comme réajustement de nos salaires. Le gouvernement congolais nous a dit qu'il a simplement 100 000 francs à donner et que les 500 000 on les met dans la discussion du budget 2025 parce qu'ils ont déjà commencé. Et qu'ils devraient payer 50 000 avant la rentrée, 50 autres 000 au mois d'octobre. Mais les 20 000 francs de l'école primaire devraient être payés cette semaine ici. C'est ce qu'on a décidé. Ce n'est pas nous qui décidons. Nous, à la synergie, c'est l'enseignant qui prend la décision. Nous les restituons. Tout ce qui s'est passé, nous le disons aux enseignants. Par rapport à la rentrée, les enseignants, vous dites quoi? S'ils décident, en tout cas, nous rentrons, nous rentrons. S'ils décident qu'on ne rentre pas, on attend. Changeons donc de chapitre et parlons de l'exploitation illégale des carrés minés dans la province du Congo central. Le village Kimbangalombe, situé à plus de 30 km de la cité de Lukula, dans les territoires qui portent le même nom, en est victime. Saisi du dossier, le gouverneur de province, Grace Kouanga Maswangi Bilolo, a diligenté une équipe sur terrain pour des enquêtes. Commentaire. Nous sommes dans la forêt Mavuma, au village Kimbangalombe, situé à 38 km de la cité de Lukula, dans les territoires qui portent le même nom, à la division unique du bas-fleuve. Ces carrés miniers sont illégalement exploités par des personnes non autrement identifiées, venues de la ville-province de Kinshasa. Aussitôt informé, le gouverneur de province, Grace Kouanga Maswangi Bilolo, a délégué deux de ses collaborateurs, notamment les ministres provinciaux de la justice et droits humains, Edouard Sambansitou, et celui de l'intérieur, Constant Manvidila, pour des enquêtes approfondies. Accompagné de l'administrateur du territoire, Damas Diakanoa Mpila, quelques agents de l'ordre et de l'Agence nationale des renseignements, ANER en sigle, les géologues et autres, cette délégation a fait une descente sur terrain. Sur place, elle a été reçue par les ayants droit qui ont confirmé l'existence de ces carrés miniers. Tout en Moulabato, depuis 2017, visiter ma sol, recherche. Nous avions reçu une délégation de personnes en provenance de la ville-province de Kinshasa. Selon les chefs de la délégation, ils étaient à la recherche des biens dont ils ne nous ont pas révélé la nature.
On a donné notre accord. Dans la foulée, les travaux ont débuté. Concernant les droits d'exploitation, nous n'avions posé aucune condition, sauf qu'ils nous avaient offert quelques présents. Le seul document qui est à notre possession est celui qui nous donne droit de 10% des matières extraites. Et même ces 10% promis, nous ne les avons jamais touchés depuis 2017. Durant ces temps, ce carré minier a été exploité illégalement sous l'œil des autorités tant administratives, politiques et militaires. D'un territoire en un autre, l'emblème du pays fait partie des éléments qu'on peut retrouver à la frontière, celle des Kaindingi, située à plus de 80 km de la cité de Tchela, dans les territoires qui portent les mêmes noms et dépourvus de ces dispositifs. Le mauvais état de la route et le manque d'installations hygiéniques, tels sont les mots qui rongent les agents commis à cette partie de la province du Congo central. Le détail. Les agents des services commis à la frontière des Kaindingi, située à plus de 80 km de la cité de Tchela, dans les territoires qui portent le même nom, et les habitants de ces deux pays, notamment la RDC et l'Angola, qui font les trafics commerciaux sur cet endroit, font face à plusieurs défis. La route qui mène vers ces villages frontaliers est dans un état de dégradation qui ne dit pas son nom. Outre l'aspect infrastructure routière, la frontière Kaindingi est dépourvue des installations hygiéniques. À en croire un cadre de la Direction générale de migration, la frontière des Kaindingi n'a aucun emblème du pays. Les drapeaux de la RDC n'a jamais flotté dans ces coins du pays. Ici où nous sommes, il n'y a pas d'installation hygiénique. Quand vous voyez le flou des gens qui arrivent ici, qui vont passer de l'autre côté, manger, quoi ça passe, il y a des malheurs. Des malheurs. Tous ces déchets-là, les matières, on ne les pose plus. L'état de la route, vous avez vu l'état de la route. C'est nous qui vendons l'image de la RDC au niveau de la frontière ici. Nous avons aussi le problème des drapeaux ici. Les drapeaux nous posent problème. Il y a des fois, c'est vraiment le manche. Parce que quelqu'un peut venir ici, il entre, qu'est-ce qu'il trouve déjà à l'RDC? Notons que votre rédaction a tenté de contacter les ministres provinciaux de l'Intérieur pour la cause. Contre toute attente, les agents de la police commis à ces postes nous ont refusé l'accès au bureau du ministre. Changeons donc des chapitres, parlons santé à présent. Selon les rapports épidémiologiques, la République démocratique du Congo vient d'enregistrer 1372 nouveaux cas suspects de la maladie de Mpox, 606 cas confirmés et 35 décès pour la semaine 33. Au total, 17801 cas suspects et 610 décès ont été notifiés depuis le début de l'épidémie. Le point avec le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. Selon le rapport épidémiologique, 1372 nouveaux cas suspects, 206 nouveaux cas confirmés et 35 décès ont été signalés dans les provinces les plus touchées à la semaine 33. Le cumul des cas suspects depuis le début de l'année est de 17 801 avec 610 décès. Ceci donne un taux de létalité de 3,4%. À l'ouest, ce sont les provinces de l'Équateur, du Sud-Ubangi et du Maïndombe qui sont les plus touchées. À l'est, ce sont le Sud-Kivu et le Nord-Kivu qui sont les plus touchés. Au sud, ce sont les provinces de Lualaba et du Olomami. Au centre, la Chopa, la Chopo, le Sankuru, le Kasai. Et au nord, la Mongala et le Nord-Ubangi. Pour protéger vos proches et lutter contre la propagation de la maladie, il est essentiel de respecter les mesures et gestes barrières. Maintenez une bonne hygiène de mains régulièrement. Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets fréquemment touchés, surtout chez vous quand vous avez reçu des visiteurs. Évitez tout contact non protégé avec des animaux sauvages, en particulier avec des animaux malades ou des animaux morts. Veillez à bien cuire tout aliment contenant des produits animaux
ou de la viande avant de consommer. Pour les rapports sexuels inhabituels, chers compatriotes, réduisez le nombre des partenaires. Et lors de ces activités sexuelles, protégez-vous. Évitez le contact avec les effets personnels d'une personne atteinte de la mpox ou avec des objets que cette personne a utilisés. En cas d'apparition des symptômes, appelez le 151. C'est un numéro gratuit que nous avons mis à votre disposition pour signaler directement ou nous rapporter des cas. À côté de ça, rendez-vous dans le centre de santé le plus proche pour une prise en charge appropriée. 540 millions de dollars récoltés par l'équipe de Kamala Harris, près de 300 millions par celle de Donald Trump aux États-Unis. L'appel aux dons est un rituel dans chaque campagne présidentielle, un élément de nos confrères de France 24. Aux États-Unis ces jours-ci, participez de 5, 10, 25 dollars. Vous ne pouvez pas y échapper. L'appel aux dons fait partie des campagnes présidentielles américaines. 10 dollars peuvent permettre d'ouvrir des permanences dans les états clés. L'équipe de Kamala Harris affirme avoir récolté 540 millions de dollars en l'espace d'à peine 4 semaines. Quand Donald Trump disposerait d'un peu plus de 300 millions de dollars. Pour faire un don, il faut être citoyen américain ou résident permanent. Il est possible de donner un peu plus de 3 000 dollars directement à la campagne du candidat, jusqu'à 10 000 dollars au parti. Mais il n'y a pas de limite aux donations destinées à des organisations indépendantes chargées elles aussi de peser sur l'élection. De l'argent qui finance les déplacements, les locations de salles, les nombreuses publicités et la logistique des volontaires chargés du travail de terrain. En 2020, les dépenses de campagne avaient dépassé les 6 milliards de dollars, un record qui, selon les experts, devrait être battu cette année. C'est la fin de ce journal qui vous a été réalisé par Clovis Solo. Messieurs et dames, merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.